ambassadeur de France en Italie et donc maître d'ouvrage pour les travaux de la galerie des Carraches. Moi, je suis très heureux que les choses se passent très bien, qu'il s'agit là d'une coopération exemplaire entre la France et l'Italie, entre la France, ici représentée par l'ambassadeur, et en Italie, le ministère de la Culture et des Biens Culturels, et en particulier ce qu'on appelle ici les surintendances. Je veux dire que la coopération est remarquable et nous travaillons avec notre mécène unique, le World Monument Fund, que je remercie une fois de plus de nous permettre de faire ces travaux dans les meilleures conditions. Là, c'était un travail à trois, j'ai envie de dire, la France, l'Italie et avec le financement de ce World Monument Fund. Nous espérons tous qu'en mai, j'espère 2015, la Galerie des Carraches retrouve toute sa splendeur grâce à cette coopération entre ces trois entités. Voilà, et supervisée bien entendu par un comité scientifique du plus haut niveau, moitié français, moitié italien, avec les plus grands experts français et italiens pour assurer la valeur scientifique de ce qui est fait et de cette restauration, s'assurer que cette restauration se passe dans les meilleures conditions possibles. Cette restauration de la Galerie des Carraches est un des éléments de la responsabilité de la France qui doit entretenir le palais Farnèse et le maintenir dans le meilleur état de conservation. Donc cette année, c'est la Galerie des Carraches, mais il y a eu beaucoup de travaux qui sont faits, des travaux qui sont faits bien sûr quotidiennement. Et par exemple, dans les très grands travaux, il y a eu pour le jubilé de l'an 2000, le ravalement des deux grandes façades du palais Farnèse. Voilà, il y a beaucoup d'autres travaux qui se font sur les toits, dans les différentes pièces du palais Farnèse. Voilà, cette année, c'est la Galerie des Carraches, mais vraiment, ça s'inscrit dans un programme de longue durée de restauration, d'entretien par la France du palais Farnèse, en liaison, bien sûr, avec les autorités italiennes qui restent propriétaires de ce palais. È un restauro molto importante, anche perché è il frutto della collaborazione fra il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, in particolare della Soprintendenza per il Patrimonio Storico-Artistico e il Polo Museale della Città di Roma, la Soprintendenza ai Monumenti di Roma, l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. A queste istituzioni si aggiunge naturalmente l'Ambasciata di Francia, che ha voluto il restauro della Galleria dei Carraches e che risiede a Palazzo Farnese, che è uno dei palazzi più belli del Cinquecento romano ormai da tanti anni. Il restauro è stato sostenuto finanziariamente dal World Monument Fund, quindi l'apporto dei privati è stato fondamentale. Anche la nostra soprintendenza è intervenuta finanziariamente, soprattutto per quanto riguarda le attività propedeutiche al restauro, cioè tutta la campagna fotografica e le indagini diagnostiche. La restauration de la voûte et des parois de la Galerie des Carraches est pour le World Monument Fund un projet tout à fait exceptionnel. Le World Monument Fund a été créé après les inondations de Venise et de Florence en 1965 et peu à peu, son action s'est répandue dans le monde. Nous sommes actifs dans plus de 100 pays. Nous travaillons dans la cité interdite de Pékin, nous avons beaucoup travaillé au château de Versailles, nous travaillons au Pérou, dans des églises baroques, des sites archéologiques au Mexique, mais nous travaillons particulièrement en Italie depuis le début, puisque l'Italie peut se vanter d'avoir un des patrimoines les plus importants du monde. Et à ce titre-là, nous avons restauré de nombreux monuments en Italie, dont le Colleone de Verrocchio à Venise, de nombreux monuments également en Toscane, nous sommes en train de restaurer des monuments en Lombardie, mais c'est tout à fait exceptionnel et prestigieux pour notre organisation d'être le mécène unique de la restauration de la Galerie des Carraches. Lorsque l'État italien et l'État français, l'ambassade de France, ont pris cette décision, le World Monuments Fund a tout de suite répondu à l'appel. Grâce à nos partenaires, qui sont donc la Fondation Robert Wilson, fondation américaine, et la Fondation de l'Orangerie pour la philanthropie individuelle, fondation européenne, nous avons pu être le mécène unique de cette opération. La Galleria dei Carraches di Palazzo Farnese è uno dei monumenti più importanti della storia dell'arte della fine del Cinquecento
a Roma. La galleria venne infatti decorata in occasione delle nozze di Ranuccio Farnese, fratello di Odoardo Farnese, della potente casata dei Farnese, con Margherita Aldobrandini, che era la giovane nipote del Papa, allora regnante, Clemente VIII. E vennero chiamati a Roma per questa decorazione Annibale e Agostino Carracci, artisti emiliani che avevano fondato pochi anni prima l'Accademia degli Incamminati e che si rifacevano ai grandi artisti operanti all'inizio del Cinquecento, penso soprattutto a Raffaello, a Michelangelo, ma anche a Correggio e a Tiziano. E la volta della galleria di Palazzo Farnese venne affrescata con le storie raffiguranti gli amori degli dei dalle Metamorfosi Ovidio. Si tratta in realtà di pittura murale più che di veri e propri affreschi e quindi l'intervento di restauro è molto delicato. L'intervento è condotto sotto la supervisione della nostra soprintendenza con la direzione di Emanuela Settini e verrà condotto da una trentina di restauratori. E cette galerie de Carrache est évidemment très importante. C'est le trésor de ce palais Farnese qui est depuis 1874 le siège de l'ambassade de France en Italie, même s'il est ambassadeur de France depuis Louis XIII, était déjà venu à temps partiel dans ce palais Farnèse. Ce palais Farnèse donc est identifié à la France en Italie et au sein de ce palais Farnèse, le trésor, comme je l'ai dit, le trésor, c'est cette galerie des Carraches, peinte entre 1595 et 1605, et dont chacun sait qu'elle a joué un rôle très important dans l'histoire de l'art, en particulier puisque des peintres comme Nicolas Poussin, Charles Lebrun et beaucoup d'autres sont venus étudier dans cette galerie qui est, pour beaucoup, un peu une sorte de point final de la Renaissance qui recense l'ensemble des techniques et des apprises au cours de la Renaissance. Je veux dire que c'est un point final qui fait encore aujourd'hui l'admiration de tous ceux qui peuvent l'avoir. Il team che si occuperà del restauro è un team piuttosto complesso. È un'ATI, un'associazione temporanea di imprese, costituita dallo studio CRC come capogruppo, che è l'impresa di cui sono titolare. Abbiamo l'R Consorzio con Clelia Sbardella e Daniela Luzzi. Abbiamo Giorgio Capriotti, Daniela Milani, Luisa Barucci e il Centro per la Conservazione e il Restauro della Veneria Reale di Torino. Abbiamo unito le nostre forze per poter garantire un intervento estremamente attento agli aspetti scientifici oltre che agli aspetti operativi. Sulle condizioni della Galleria dei Carracci siamo abbastanza informati grazie a una serie di indagini che sono preliminari che sono state realizzate per mettere a punto il progetto di restauro e anche a degli interventi che sono stati eseguiti già dagli anni 90. Sono presenti molte grappe metalliche, sono presenti delle ridipinture, ci sono dei problemi di consolidamento sia della pellicola pittorica che degli intonaci e per quanto riguarda gli stucchi siamo in presenza di una compagine di modanature, conchiglie, rilievi che sono state nel tempo ridipinte molte volte. Quindi avremo dei problemi sia sugli affreschi, ma forse in qualche modo anche più complicati sugli stucchi. Gli affreschi di Annibale Carracci e di Annibale di Agostino, con collaboratori molto importanti che hanno con lui finito quest'opera meravigliosa, ovviamente ci pone in una situazione di particolare timor reverentialis, se vogliamo, no? Quindi di fronte a un'opera di questa levatura, che implica ovviamente anche un'attenzione particolare e un approfondimento tecnico tale che ogni dettaglio, ogni piccolissima superficie pittorica andrà scrutata nei minimi dettagli e approfondito
nel proprio a livello quasi microscopico gli intenti e i materiali che sono stati usati per le finiture. Le pareti con il loro apparato decorativo è molto importante che ritrovino l'equilibrio con quello che noi oggi abbiamo nella volta, che certamente ha una grande bellezza e desta una grande emozione, ma anche gli stucchi con le loro dorature, con le loro superfici, costituiscono proprio la base di questa volta. E dunque la ricerca per noi di un equilibrio fra l'architettura, la scultura e la pittura è il nostro obiettivo. Il lavoro prende l'avvio ora con tutta una parte di indagini diagnostiche e di studi preliminari che sono volti a individuare sia le tecniche di esecuzione delle opere, sia i dipinti murali, sia gli stucchi, ma anche la mappatura, si sta conducendo una mappatura dello stato di conservazione. Au printemps de 2015, le World Monuments Fund se réjouit, avec l'ambassade de France, que les travaux seront terminés et que cette galerie, un élément majeur du patrimoine de Rome, sera réouverte au public et qu'on pourra l'admirer dans sa beauté originelle, mais également en sachant que les problèmes ont été consolidés et que les générations futures pourront également l'admirer dans les siècles qui vont venir. Pour le World Monuments Fund, cela restera une expérience très enrichissante et prestigieuse.